à 5h, on a commencé à déplier la tente pour prendre un bon café et être paré avec un bon verre de jus d'orange et attaquer la course. J'ai jamais fait des distances aussi grosses. Donc, la plus grosse distance que j'ai fait, c'est 60. Donc j'espère pouvoir finir. Je joue pas la gagne, j'espère finir, prendre du plaisir, mais ça va pas être facile. It's good fun, so come to it. So here we are. Là, vous avez l'apéro de 11h30, le repas de 12h et le repas de 13h. On a dit, l'objectif, c'est de tout finir. Voilà. Le repas ou la course? Les deux. On espère finir et faire les 130 km avant 21h ce soir. Ce sera déjà bien. C'est reparti, il y a une belle édition. Et c'est une manifestation à laquelle nous sommes très attachés. Hein, parce que c'est toute l'image de cette Dordogne qui est notre belle Dordogne. On a tout fait pour que cet événement soit promu. Parce que c'est à la fois la promotion de la Dordogne et c'est de cette belle rivière et c'est la promotion du département et de la ville d'Argentat, bien sûr. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Alors on a cru vraiment être super organisé, on avait un petit sac à l'avant, un beau petit sac qu'on avait acheté, mais il coinçait complètement les fils des pédales, donc on n'avait pas de gouvernail. Donc on est allé un peu tout droit, un peu complètement dans la pile du pont, et puis après, bon, on a nagé, mais elle était bonne hein, quand même. Elle était pas mauvaise. Bonne mise en bras. The last 25 kilometers was hard. Yes, hard. Would you come back again, do you think? I don't know, not next year. Pour l'instant, ça va. Il y avait beaucoup de monde pour le départ déjà, 200 compétiteurs, 100 bateaux, donc ça c'était très satisfaisant. 50 étrangers, ça, un quart d'étrangers, je pense que c'est peut-être le record de toute l'histoire, le droit intégral, avec beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges. Donc ça c'est satisfaisant. Après, ben, la course a été vraiment belle, puisque le vainqueur vient d'arriver. Le second arrive juste à l'instant. Hein. En plus, c'est quelqu'un de notre club, François Boucher. Donc c'est, ouais, ça nous fait encore plus plaisir, parce que voilà. Donc c'est François, il finit sa 7e d'ordre intégral. C'est quand même assez difficile. Hein. C'est un engagement physique. Je crois qu'on va chercher assez loin. Mais le cadre s'y prête et l'organisation est au top. Là, il est 15h. On a Saint-Sauzis, c'est-à-dire le ravitaillement numéro 3. Parce qu'il est en mètre 70, il n'est toujours pas bouclé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à la moitié de la course, alors que les meilleurs ont déjà fini. Donc ça, c'est une contrainte qu'on n'avait pas forcément les autres années. Donc ça, il va falloir qu'on réfléchisse à gérer ça, peut-être autrement. Alors, c'est les mains de travailleurs. Travailleurs à la pelle, à la pelle, à la pioche. Super! C'est un exploit, là. Avec les conditions de vent en plus, encore une fois, qui les gênent beaucoup. Tous ceux qui vont finir, là, c'est extraordinaire. Autant le faire en K2, c'est déjà très très beau, mais bon. Mais sur un sup, là, je pense que là, il y a des gars qui sont vraiment très très forts. Donc. Intérieur. Ah, il reprend. Non, non, non. Allez, c'est joué. Allez, c'est joué. Allez, c'est joué. Allez, c'est joué. Allez, je sais pas comment ils font.
Waouh. Eh bien, bien, il y a eu du suspense, entre guillemets. On est parti en mode balade et puis à un moment on s'est dit, mais... il est où Francky? Il est où Franck, là? Donc du coup, ça a été la chasse à l'homme pendant... 90 bornes. 90 bornes. Nah, it was quite fun. There's that long 20k stretch that just like, where there's nothing and it just kills you right in the middle, yeah. But after we stopped for about 5 minutes, we're good to go again. Et il y a une super organisation, c'est sympa comme tout. Bravo, on reviendra. Ouais, on reviendra. On reprend juste, voilà. Si on est en train de réfléchir déjà avec le président, là, avec Jean-Marc, à ces histoires de ravitaillement, tout ça, c'est parce, que, voilà, c'est parce qu'on sent que si l'an prochain il y a 300 personnes et pas 200, on est en limite de rupture. Là. Mais on y croit, bon, on n'est pas inquiet. Woo!